Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un deck un petit peu particulier, on va dire. Alors le deck s'appelle Ectapas d'énergie. C'est un deck sur Ectoplasma. Donc j'ai concocté un deck avec pas mal de nouvelles cartes. Donc tout d'abord, excusez-moi. Donc on a le tout nouveau Ectoplasma X qui est la carte centrale du deck. Donc Ectoplasma X, 310 PV de type ténèbres. Il a une faiblesse au type combat, donc pas type plante, attention, fais attention à ça. Un talent qui s'appelle Malédiction Rongeante. Donc chaque fois que votre adversaire attache une carte énergie de sa main à l'un de ses Pokémon, placez deux marqueurs de dégâts sur ce Pokémon là. Évidemment c'est stackable avec plusieurs Ectoplasma. Le problème c'est que l'Ectoplasma c'est un niveau 2 et c'est assez difficile à... C'est assez difficile d'avoir plusieurs Ectoplasma en même temps, honnêtement. Donc voilà, c'est cumulable, donc ça peut être rigolo, ça blesse l'adversaire tout seul. Et on a en plus une attaque qui s'appelle Pas Délicat, donc pour 2 énergies ténèbres, ça fait 160. Et on peut déplacer une énergie du Pokémon actif de notre adversaire vers l'un de ses Pokémon de banc, ce qui fait que ça l'oblige à rattacher un peu d'énergie. Et nous, on stack l'énergie sur un Pokémon inutile, par exemple son Castorno ou un truc comme ça. Voilà. Donc ensuite, j'utilise aussi un deuxième Ectoplasma. Cet Ectoplasma One Prize, il a un talent qui s'appelle Portail Nocturne, qui fait qu'une fois pendant notre tour, on peut échanger notre Pokémon actif contre l'un de nos Pokémon de banc. Donc c'est un switch gratuit, réutilisable à l'infini en fait, tout simplement. Donc c'est extrêmement pratique, sachant que lui, il a qu'un de retraite. On pourrait faire des dingueries comme ça. Le problème, c'est que bon, il n'y a pas 10 millions de cartes dans le deck. C'est limité, mais ça suffira. Étant donné qu'on peut répartir des marqueurs, bon, j'ai mis à la Kazam Radio, des fois on peut tenter des petits trucs avec les marqueurs, ça peut toujours jouer à un ou deux marqueurs des fois, donc toujours bien de l'avoir. On aurait pu mettre autre chose, mais globalement je pense que c'est le meilleur radieux pour ce deck. Une nouvelle carte que je voulais vous montrer, que j'ai toujours pas utilisé, donc c'est le nouveau Beraska. J'en ai profité pour le mettre dans ce deck. Donc bouclier sphérique, c'est son talent. Évitez tous les dégâts et les effets d'attaque infligés à vos Pokémon de banc par les Pokémon de votre adversaire. Donc on peut pas mettre marqueur sur le banc, on peut pas mettre d'effet sur les Pokémon de banc, pas de dégâts. C'est Manaphy et Jirachi combinés et en mieux. Donc clairement, on est ultra protégé avec ce Beraska. Voilà, donc une lignée de 1-1. Ensuite, on a Castorno pour piocher. Et ensuite, on a pas mal d'objets différents. Donc comme vous le voyez, on a deux maillets écrasants. Donc on lance une pièce, si c'est face, on défausse une énergie de l'un des Pokémon de notre adversaire pour encore plus le ralentir. Ça, c'est pratique, combiné à notre attaque et à notre talent, franchement, c'est ultra fort. Deux fortifiants obscurs pour nous aider à attacher un petit peu plus d'énergie de temps en temps. Ça peut nous aider, parce que bon, Ectoplasma, il nécessite deux énergies pour attaquer. Et ensuite, une carte que je n'ai jamais présentée, donc Charisme de Giovanni. Donc c'est un supporter qui dit que, ajoutez à la main de votre adversaire une énergie attachée à son Pokémon actif. Dans ce cas, attachez une carte énergie de votre main à votre Pokémon actif. Donc non seulement on lui remet l'énergie dans sa main, donc on va l'empêcher d'attaquer, et nous on booste notre attache d'énergie, ce qui fait que ça fonctionne extrêmement bien avec notre talent, notre attaque, et en plus ça nous booste nous-mêmes, ça nous permet d'attacher une énergie en plus. Donc clairement cette carte est vraiment bien dans ce deck. Globalement on utilise aussi une capsule des évolutions, une capsule évolution, et aussi la ceinture maximale pour infliger un petit peu plus de dégâts, puisque quand même des fois ça peut être sympathique d'aller chercher un KO. Ectoplasma fait que 160, hein, donc en général on va essayer plutôt de tout shot, et peut-être avec le talent éliminer des petits Pokémon sur le banc. J'utilise également une dernière carte assez importante dans le deck, c'est la montagne enneigée de désastre. Chaque fois qu'un joueur attache une carte énergie de sa main à l'un de ses Pokémon non haut de base, placez deux marqueurs de dégâts sur ce Pokémon là. Donc les Pokémon X de base par exemple, si c'est pas Baogian, il se prend les deux marqueurs, et en plus il y a notre talent à nous d'Ectoplasma qui peut lui infliger pas mal de dégâts. Donc voilà, honnêtement moi je vous dis, je pense que ce sera pas un top tier, mais c'est rigolo à jouer, donc on va voir tout ça. Et donc c'est parti pour la première game. Donc du coup j'ai le Fantominus ici qui défausse de l'énergie potentiellement, et celui-ci qui pioche des cartes. On va partir sur celui-là, et l'autre on va le mettre en soutien. Bon, c'est pas trop mal comme départ, on va voir contre quoi on est. Alors, ok, bon bah Dracaufeu, contre Dracaufeu c'est vraiment pas ouf, parce qu'on fait 160, et x2, bah le compte est pas bon quoi, ça fait 320. Donc on peut pas le two-shot, à moins d'utiliser notre talent, mais il faut prier quoi. Sachant qu'il attache, je crois pas qu'il attache de la main du coup.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, d'entrée de jeu obligatoire, que de temps. Les boulets roux, ça pas forcément utile dans ce... Oui, on peut pas le prendre, oui, c'est normal, lui. Je prends un Fantominus. Et, ok, donc on a... Ouais, on est pas trop mal. On a un seul maillet. Ok, ok. On a tous nos outils, on a tous nos stats. Impeccable. Impeccable, ça c'est bon, ça. On va mettre une énergie là. On va faire... Pep, mais attendez, mais mon adversaire a joué, j'ai même... Ah mais oui, il a dû faire son talent. Bah Pepper, qu'est-ce qu'on peut se récupérer? Qu'est-ce qu'on a dans la défausse? Bah rien du tout, logique. On peut se récupérer quoi? En face, il n'y a pas mis d'énergie. J'ai le bonbon potentiellement. J'ai quoi d'intéressant? Je vais prendre une hyperbole et une capsule d'évolution. On va faire ça. Paf, voilà. Hyperbole, c'est si jamais il mélange pas ma main, je me prends Castorno après. Mais normalement, je l'aurai, là, Castorno. Mais au cas où, j'ai l'hyperbole pour faire autre chose. Donc voilà, j'ai un Spectrum, un Castorno. Et voilà, là, on est pas mal. On commence bien, tranquillement. Petite capsule évolution qui fait plaisir. Et j'ai mon hyperbole pour avoir ce qu'il me faut au prochain tour. Donc je suis bien. Petit maillet écrasant si jamais il vient à mettre Drac ou Feu. Évidemment, bon, il va m'attaquer, il va me poutrer, ça, c'est un détail, ça. Mais globalement, je pense qu'en vrai, c'est faisable. Faut essayer de... Ouais, peut-être de jouer avec notre... à la Kazam Radieux. On peut essayer de faire un truc avec. Peut-être tomber son Motisma V, quand il le remettra sur son banc. Après, faire gaffe, il joue souvent avec le stade en ruine. Le deck Dracofeu, c'est souvent comme ça. Stade en ruine pour virer justement Motisma ou Luminéon. Donc, faut se méfier, ouais. Donc là, il fait la pierre scellée Sylvestre. Il va chercher... il a utilisé du coup le V-Star de la pierre. Pour récupérer une carte dans son deck, je pense qu'il a pris ce qu'il lui faut pour mettre Dracofeu ou son Roucarnage. Ouais, bah Roucarnage du coup. Et logiquement, Roucarnage va lui chercher ce qui lui manque pour Dracofeu. S'il l'a pas déjà, bien sûr. Peaufin, il pourrait récupérer s'il veut un petit peu plus de setup, mais je pense pas. Je pense que là, il est déjà bien, parce que juste un Roucarnage, un Dracofeu, un Motisma, il est prêt là, il peut déjà combattre. Donc en vrai, ça se fait. Hyperball, qu'est-ce qu'il veut nous faire avec son Hyperball? Qu'est-ce qu'il fait le petit doux? Le petit gnougnou? Le petit loulout? Ok. Ah ouais, Luminéon défaussé, ceinture chaud aussi, Drac au feu. Bon là il est chaud l'adversaire là. Là c'est Tipar, ça va casser hein, là. Ça va casser en deux. Il va me fracturer. Ouais, il faut que je mette mon... Ah, mince. J'ai pas pensé à ça. Faudrait que j'arrive à placer mon ectoplasma pour survivre là, parce que je vais prendre tarif sinon là. Est-ce que je mets mon Fantominus ou est-ce que je mets mon Spectrum sur le poste actif? L'avantage c'est que si je mets Spectrum, je peux théoriquement le faire déjà évoluer. Mais... Ah, il est relou. Bon vas-y, on va le faire évoluer en ectoplasma là déjà, histoire de mettre le talent. Oh bah regardez, je défausse les deux Pokémon qui me servent à rien dans ce match-up pour récupérer mon bébou ectoplasma. Ensuite on fait ça, on fait le maillet écrasant et on va lui péter son énergie, tout simplement. Voilà, ah bah face, impeccable. Allez hop, ça dégage dans ta défausse. En du boss, on n'a aucune raison de le faire. Incisif Trios, c'est parti. Voilà, j'ai le charisme de Giovanni, j'ai le fortifiant obscur, j'ai la ceinture max, je vais pas pouvoir faire grand chose. Ok, on fait le fortifiant, on fait le charisme, tac, on met sur lui, et là, bah, c'est finito mon tour. Vous avez vu, c'est marrant quand même, on peut le déglinguer au niveau des énergies, c'est marrant. Parce que là, Dracofeu, il a plus d'énergie. C'est fini. Et là, il a plus qu'à placer quelques marqueurs. Et si j'arrive à mettre ne serait-ce qu'un seul marqueur sur Dracofeu, je peux le touch-out. On profite quand même d'un ectoplasma à 310 PV. Hein. C'est pas mauvais, c'est vraiment bien. On peut se faire one-shot en fin de game par Dracofeu. Mais si on gère bien, on peut faire... ok, donc il a mis son Kenotor de Salamèche. Donc là, il est full bench. Il va pas tarder à faire le stade en ruine, à mon avis, pour virer son Motisma. À mon avis, il va faire Roucarnage, recherche rapide, paf, stade en ruine. Ça me choquerait pas. Ouais, ça m'étonnerait pas. Je pense que le bébou, là, il a besoin de chercher de l'énergie, de toute façon, en fait. Il a pas le choix. S'il veut attaquer avec Dracofeu, il faut lui mettre dessus. Hein. C'est bête, hein, je sais, mais quel dommage. Hein. Quel dommage, hein. C'est triste. C'est si triste. La ceinture, évidemment, ouais, de toute façon, c'est que pour les Pokémon X, la ceinture. Vous voyez, donc je pourrais pas one-shot le Motisma. Voilà, bon, on a gagné. Bah, c'était rapide. L'adversaire a déjà abandonné, donc ça m'étonne pas. Allez, on va trouver un autre adversaire. Allez, on y va. C'est Tipar. On est contre Captain Meow. Enfin, Meow. C'est un chat.
Enfin non, c'est un humain, mais... Mais bon, peut-être qu'il joue un deck chat, l'adversaire, là. Ça peut être marrant. Bon, face. Du coup, je suppose que je commence pas. Ah si, je joue en premier. Bah, je joue en premier, évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Je vais pas me priver, hein. Alors... Eh bah, c'est fantastique. Que nos torts pour commencer. Est-ce que c'est pas incroyable, en vrai? Donc on a... Qu'est-ce qu'on a en face? Pas de drac au feu. Ah, Trousselin. Alors ça peut être beaucoup trop de choses. Impossible à déterminer, je vous avoue. Alors, on a tous les Fantominus du deck. Les Boulerou, il est là. Akazam. Ok, ils sont là, les Ecto. Beraska est là. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, on a qu'un seul maillet. On a une canne. Ok, globalement, on a presque tout. On n'a pas la capsule d'évolution. C'est dommage. J'aurais bien voulu l'avoir. Mais bon, c'est comme ça. Quenotor, paf, retraite, hop, voilà. Je vais pas perdre mon Quenotor au deuxième tour, sait-on jamais ce qu'il a comme deck. Il y a des decks qui sont assez agressifs, assez rapides, donc par précaution, je préfère voilà, pas envoyer n'importe quoi sur le poste actif. Enfin, pas laisser mon Quenotor. J'ai double Fantominus. Ok, Gardevoir. Bon, c'était une possibilité de toute façon, Gardevoir. Gardevoir, on peut profiter de notre avantage de type... Pour one-shot Gardevoir, attention tout de même au Baudrive notamment, qui peut faire 300 facilement. Donc voilà. Après, nous, on met des marqueurs. L'adversaire se met des marqueurs. Clairement, nous, là, notre talent ne sert à rien dans ce match-up. Ça sert à rien de placer genre 10 marqueurs sur un Kirlia, on s'en fout, quoi. Ouais, sachant que l'adversaire, de toute façon, a tout à gagner à placer des marqueurs sur certains de ses Pokémon. Clairement, encore une fois, mon deck va pas briller dans ce combat. Hein. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. On fait le maillet, hein, s'allumer dans la défausse. Bon, ça l'arrange, mais nous, ça nous vide la main, donc on va le faire. Voilà. De toute façon, il faudra bien que ça serve à un moment. Et dans tous les cas, il peut juste retraite et ça revient au même. Alors, Fantominus, on va faire... Attendez. Fantominus, montagne. Je vais mettre la capsule des évolutions et je vais faire Castorno. Allez, dépêche-toi de me trouver des cartes, là. Oh, c'est horrible. Des évolutions, ça peut ralentir son setup de Gardevoir, donc je vais le faire. Je vais désévoluer maintenant, parce que de toute façon, je ne pourrai pas faire mieux plus tard. Là, au moins, ça lui vire son Kirlia. Enfin, c'est deux... Alors, par contre, le gros zoom, là, horrible. Voilà, c'est bon. Au moins, ça empêche le setup. C'est forcément bonbon si Gardevoir sort maintenant. Nous, ça nous fait gagner du temps. On a tout à gagner également, donc... voilà, ça remet Kirlia, du coup. Ça remet le deuxième Kirlia. Et ça fait perdre du temps, puisque du coup, il peut plus évoluer. 3 Kirlia, d'accord, donc... ouais, c'est un petit peu de la chance, ça, dis donc. Sachant qu'avant, il n'y a pas eu de carte spécialement. Ah, mais c'était la capsule évolution, je suis con. Ah ouais, bah du coup, si, c'est normal, en fait. Faut qu'on garde nos ordres du boss pour les Gardevoir. C'est indispensable, on doit attaquer Gardevoir, nous. L'avantage, c'est qu'au moins, Gardevoir ne sort pas à ce tour-là. Donc nous, on a encore une chance de placer notre ectoplasma avant et de prendre un peu l'avantage de la game. Dans la défausse, il y a 2 énergies, donc pour l'instant, on craint pas grand-chose. C'est quand il y en aura 5. Dès qu'il commencera à en avoir 5, là, ça commencera à vraiment être un petit peu dangereux. Nous, on a quoi dans la défausse? On n'a pas grand-chose. Beraska, ce serait pas mal de le mettre sur le banc. Bon, c'est pas simple, hein, le problème, c'est ça. C'est qu'il n'est pas facile à mettre en place. Là, ça se blesse. Ah, ça commence à se blesser. Ça, c'est bon, ça. Ok, joute, c'est quoi? C'est... Défausser tous les outils. Ok, bon, bah ça va, j'ai pas d'outils. Alors là, par contre, ça commence à faire beaucoup, hein. Oh, putain. Bon, je pars sur quoi? Ouais, machine. Allez, vas-y, go. Machine. Il faut que je chope un ectoplasma, là. Y a pas le choix, en fait. Oh, putain, non, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est une joke? Voilà, on va le faire évoluer, parce que... Et là, bah, j'ai qu'une carte à piocher, donc... bon. Oh, je vais pas aller loin... Enfin, copain. On va mettre lui et lui. Allez, ensuite on fait le talent portail nocturne. Et on va mettre ce Fantominus. Attendez. Lui. Voilà. Et comme ça, on se protège le temps de préparer notre autre ectoplasma. En vrai, là, en termes de setup, on n'est pas trop mal. On craint juste des descentes du boss, là, par contre. Faire attention à ça. Visiblement, l'adversaire va jouer full Gardevoir. C'est-à-dire que vraiment, l'adversaire n'a laissé aucune place pour un autre Pokémon. On est vraiment sur du full Trousselin, full... là, on a ce truc, on a un Mimiki, on a un Floatmèche. Où sont les Baudrives, en fait, dans le deck? Il n'y a pas de Baudrives. Bah, pourquoi? Ouais, l'adversaire a mis son quatrième Tarsal. Peur, hein? L'adversaire a pas peur, là. Bah, écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Moi, ça m'arrange. Hein. Gardevoir est une cible de choix comparé à...
à Baudrive, beaucoup plus facile à gérer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, dans la défausse, on est à 3 énergies actuellement. C'est pas mal, 3 énergies, c'est pas encore dangereux, mais ça peut le devenir. Donc là, je pense qu'effectivement, on va se prendre l'attaque à 90 qui va se mettre des marqueurs sur nous aussi. Après, on a le Léboulérou qui est prêt à évoluer à tout moment pour protéger justement des attaques sur le banc. Horde du boss, eh ben, va te faire foutre, comme on dit dans le milieu. Ah d'accord, donc c'est mon Léboulérou qui va prendre. Ah, c'est bâtard, ça. Ah, ça, j'aime pas, ça. Oh, garde-voir. Bon, hyperbole, s'il vous plaît, là. Il me faut une hyperbole. J'en ai combien encore dans le deck? J'en ai 3 encore. Ouais, ça attache de l'énergie à flotte-mèche. Bon, pourquoi pas. Donc là, flotte-mèche va tuer mon Léboulérou et placer 2 marqueurs sur bah, n'importe quoi d'autre. Je pense sur mon spectrum, je suppose. Ah non. Ah, ça tente de répartir les marqueurs. Ok. Est-ce que ça jouerait pas l'aigle, là? Comment il s'appelle déjà? Il y a Furéglon et l'autre, l'évolution, je sais plus c'est quoi. Alors, on va faire évoluer ce Fantominus, c'est le plus faible. On va mettre une énergie sur lui. On va... Est-ce qu'on fait l'ordre du boss? Est-ce qu'on est ballsy? On fait l'ordre du boss. Comme ça, si jamais j'ai mon ectoplasma qui tombe, direct, je peux mettre KO le machin, là. Regardez, faiblesse au type ténèbres. Là, on pioche des cartes. Ectoplasma x2, bim. Et là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. 320 dans la gueule. Oh, c'est fantastique. Voilà. Parfait. Donc, comme il n'y a pas de Baudrive en jeu, ça nous arrange. Hein. On en profite. Bon, je voulais un ectoplasma, j'en ai pioché 2. Donc, bon, je vous avoue que... Après, j'ai vidé la main, j'ai pris le risque. Bon, dans tous les cas, j'en aurais eu au moins, je pense. Raffinement. Bon, cette fois, l'adversaire a la place pour mettre autre chose. Ah, qu'est-ce que... Éliminer quoi, là? Mon spectrum, sûrement? Ah, j'ai plus de spectrum, après, par contre. C'est full bonbon. Mais j'ai Pepper ici, donc ça va, ça se fait. Je pense que l'adversaire joue des évolutions, ça me... Je sais pas, ça me paraît logique. Je pense qu'il y a une désévolution, quelque part, là. Vas-y, vas-y, envoie la sauce. Ouais, mais là, une dés... Ah, bravoure. Donc ouais, il y a bien le Baudrive dans le deck. En même temps, ça aurait été étrange. Il y a bien Baudrive dans le deck adverse. Donc Baudrive... Ah non, Hurlequeue déjà. Ah bah, Hurlequeue, il l'a tué. Pourquoi il a détruit son Hurlequeue? C'est utile, Hurlequeue, pour sniper mon bench. Donc mon Spectrum est KO. Et ça a pas mis Baudrive sur le banc alors que ça a le pot fin. J'ai pas compris pourquoi, mais... Bon bah, moi ça m'arrange, hein, écoutez. Ça m'arrange... Alors, actuellement, peu importe ce que je mets KO, j'ai envie de dire, ce sera bon, quoi. Donc, on va partir là-dessus, on va faire... Ouais, bon, là, je me blesse, évidemment, je suis trop bête. J'aurais dû, évidemment, le faire évoluer avant, mon Pokémon. Donc, super bonbon, et on va prendre bah, la ceinture max, hein. Ça sert à rien pour le moment, mais bon, en tous les cas, je l'ai prise. Voilà, je vais mettre une ceinture max à... En vrai, ça changera rien dans ce match-up. Autant la virer du truc. Bon, Mega Can, on va récupérer les boulets roux. Pas Spectrum. Et... Bah, si, Spectrum, en vrai. Parce que si jamais il a des évolutions, il peut m'avoir sur mes Spectrum. Sait-on jamais, même si la game est plutôt trop engagée pour que ça change quoi que ce soit. Globalement. Ok, mon les boulets roux, il est là. À l'attaque, 160. On élimine le flotte-mèche. Non, je vais surtout pas déplacer une énergie, tu te débrouilles. Ah, j'aurais pu la stacker là. Ouais, mais dans tous les cas, l'adversaire, il met son Pokémon, il bat en retraite et c'est bon, son énergie, elle est libre. Bon, ça aurait pas changé grand-chose, en fait. Ça aurait pas changé grand-chose. Ça revenait à peu près au même. Donc, il y a 5 énergies, attention. Là, c'est le moment où ça fait mal, parce que... Il peut faire 300 avec son Baudrive. L'amulette bravoure, Baudrive. Et là, je peux être KO. Parce que j'ai pile poil, regardé 10 dégâts sur mon ectoplasma. Et ça, ça peut jouer, justement. Ça peut être pile poil ce qui lui manque. 9 cartes dans le deck, hein. Attention à l'adversaire. Je pense que là, ça va remettre un garde-voir Rex. Et derrière, ça va mettre son... T'as le pauvre copain, pourquoi tu mets pas Baudrive en face? L'adversaire a pas Baudrive? Mega Can, qu'est-ce qu'il va recycler? Ce tas de défausse, c'est énorme. Il y a tout le deck qui est dans la défausse. Ok, donc ça a recyclé Hurlequeue, garde-voir, Kirlia. Mais ce qui m'étonne, c'est que tout à l'heure, la personne, enfin notre adversaire a choisi de défausser son Kirlia. Enfin, son Hurlequeue.
Alors que là, finalement, c'est pour le récupérer, je comprends pas trop. Il aurait fallu le poser tout de suite et attaquer avec. En vrai, tu peux choper des KO, hein, et en le queue, c'est fort. Ah, bah voilà, Baudrive, enfin. Bon, après, il n'y a pas de garde-voir en jeu, donc théoriquement, c'est mort. Hein. Ah, Hyperball, bah non, c'est bon alors. Hyperball, c'est réglé, bah voilà, il n'y a plus de problème. Ah, l'adversaire repart. On peut prendre un KO encore sur un garde-voir, donc on va pas se gêner pour. Par contre, nous, on est mort. Là, d'ailleurs, on peut perdre la game, hein. Je vous le dis direct, on peut perdre la game très facilement si... ouais, non, c'est pas si, en fait, c'est on va perdre la game, là, actuellement. Parce que là, on se prend un KO. Derrière, moi, j'attaque garde-voix, il réattaque, j'ai perdu. Donc, et ben... voilà. Ouais, voilà, bah il fait 300, là, actuellement, l'adversaire. Parce qu'en gros, ce Baudrive, il inflige 30 dégâts pour chaque marqueur de dégâts. Comme il a subi 100 points de dégâts, bah, 3 fois 100, 300. Et j'ai 310 PV, donc, bah, rip. Et actuellement, nous sommes dans une situation où nous avons potentiellement déjà perdu. Il suffit juste de remettre un Baudrive en jeu. Après, d'après la composition du deck adverse, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul Baudrive, un Mimiki. En fait, l'adversaire a préféré jouer un de chaque plutôt que d'avoir mis Alakazam. Tiens, je vais le mettre. Et là, je peux choper un KO sur son... Regardez, c'est bon. Là, j'ai gagné, là. Regardez. Hop, on fait cuillère douloureuse. Hop, on lui met ici les 20 dégâts, on le fout KO, on prend une récompense, et on va foutre KO le deuxième, avec l'ordre du boss, on met KO le... Hop, 320, c'est finito, et voilà, magnifique partie. Oh là, heureusement qu'on allait récupérer la Kazam, sinon c'était finito. Et GG. Ah, c'était pas mal là, hein, franchement. GG. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, loulou. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée. Et moi, je vous dis, salut !